De retour dans Hasta la Fiesta Baby, notre playlist du soir vous a sans doute mis la puce à l'oreille. Ce soir on va parler d'opéra avec une des plus belles voix opératiques masculines du pays, à savoir Haitham Lahdieli. Bonsoir Haitham. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous de t'avoir parmi nous ce soir. Tout le plaisir pour moi. Alors on va commencer par le commencement, on va parler un peu de toi, énormément même de toi. On commence par le commencement, alors tu as été formé à l'Institut supérieur de musique de Tunis avant de choisir la musique lyrique comme spécialité. Oui, enfin j'ai commencé au début au conservatoire du Grand Abdelkrim Sahabou. Donc c'était les débuts tout petit. Ah, c'était les débuts à l'âge de 8-9 ans à peu près. Il était c'est Abdelkrim, il nous faut des émissions pour parler de lui. Et oui, c'est une sommité. C'est d'abord, c'est mon parrain, c'est un frère, c'est un ami, c'est un tout. Ouais. Il m'a formé convenablement, disons. Et puis après le bac, j'ai fait l'Institut supérieur de musique. Donc, c'était par choix, par conviction. Ah oui, absolument. Tu voulais avoir une carrière 100% musicale. Absolument. Donc j'ai fait comme spécialité le chant oriental. Et puis c'était la grande découverte des arts lyriques et scéniques et la classe de la grande Christine Rajev qui m'a intronisé dans ce monde merveilleux. J'ai découvert ma voix réelle. Parce que ce n'était pas évident à faire ressortir au début. Ah non, non, ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de travail. J'imagine. Parce que en étant un chanteur de musique orientale ou de musique arabe, on a des techniques spécifiques et des couleurs spécifiques qu'on n'utilise pas dans le chant lyrique. Donc le passage n'était pas évident, mais Dieu merci, je l'ai réussi. Et puis j'ai continué à chanter les deux, à chanter. Et cette transformation en ténor, ça t'a pris combien de temps? En baryton, je suis baryton. En baryton, pardon. Disons, moi j'ai fait mon premier concert juste après un an de travail. Ah, quand même! Mais un an à l'ordre de 7 sur 7. Hein. C'était énormément d'heures de répétition, ah, ouais, énormément de travail. Absolument, absolument. Je ne quittais pas l'institut. C'est-à-dire, je commençais à 8h du matin, je terminais à 18h, 19h du soir, et puis c'est tous les jours. Ça faisait des journées très chargées. Ah oui, même en été, même dans les vacances, pendant les vacances, non, c'était vraiment du lourd. Mais ça a fini par payer. En 2010, par exemple, vous avez remporté le prix de la meilleure voix opératique masculine pour l'interprétation de Cavatine, de Figaro, de l'Opéra de Séville à Rossini. Ouais. Vous avez décroché aussi le prix d'excellence du concours international de chant lyrique Les Clés d'Or de l'Île-de-France en 2012, et après vous avez enchaîné avec les succès, ça c'est pour ne citer que cela. Et puis le prix d'honneur Elena Nicolai en Bulgarie, et puis le diplôme supérieur des arts lyriques et scéniques de l'Académie internationale des arts de Lausanne, et puis j'étais aussi admissible à la CNSM de Paris. Ensuite, c'est l'école normale. Donc, j'ai obtenu aussi le diplôme supérieur des arts lyriques et scéniques de la classe de Caroline Dumas. Ça, c'est quelque chose. Oui. Ça, c'est quelque chose. Et puis, j'ai travaillé aussi avec l'ancien coach de Roberto Alagna, Enzo La Selva. Oui. Donc, j'ai travaillé pendant une année avec lui. Et puis, s'enchaîner, j'ai fait une production au théâtre Herblay, Rigoletto, et puis des concerts, et puis en même temps je travaillais en Tunisie, et moi j'ai commencé les concerts lyriques avec Ahmed Achour et l'orchestre symphonique tunisien, donc 2006-2007, donc j'ai déjà commencé à faire des tournées. Ça fait quelques années quand même. Oui, ouais, ça va. Mais voilà, donc j'ai commencé à travailler avec quand même de grands noms ici. Bien sûr. Donc, tels que Ahmed Achour, Chitrouba, Mohamed Garfi. Sinon, pour rebondir un peu sur ces noms, comment se porte la scène de l'opéra tunisien?
Et moi je suis très optimiste à ce niveau-là parce que ça commence vraiment à bouger. Déjà, on a fait nos preuves. Moi, je pense que quand on fait des concerts à El Jem ou à Carthage ou au théâtre municipal ou C'est déjà n'importe une où, petite consécration. on a fait des complets, on a fait des succès immenses. Moi, quand on a fait les productions avec l'Institut italien, trois opéras de suite, et des concerts, bien sûr, on a vu des salles pleines, on a vu des guichets fermés. Donc, Eh oui. je suis persuadé que on a un public qui aime l'opéra et qui aime découvrir, parce qu'on a eu affaire avec des gens qui venaient juste pour découvrir et après, C'est ils vrai que continuent là. ce n'est pas dans notre culture, mais on est passionné par ça. C'est quelque Bah chose oui, qui nous attire depuis tout petit. parce que quand il s'agit de spectacle, de toute manière, ça plaît toujours. Quand Ouais. c'est bien fait, ça plaît. Même si il s'agit d'une langue étrangère, d'une culture autre que la nôtre, d'un art qui Que n'est c'est difficile à pas. comprendre. Oui, mais il y a tout de même une belle voix qui te fait de la belle musique. Ça te parle Et ça, impérativement. exactement. Et puis, bien mise en scène. Donc, on a tous les éléments nécessaires pour réussir un spectacle. Et puis, ça, et voilà, et ça cartonne. Et à partir de ces spectacles-là, tu as cartonné tout seul, entre autres. Tu as fait énormément de tournées. La dernière, si je ne me trompe pas, c'était en Égypte. Oui, en fait, moi j'ai commencé la tournée internationale, ça fait un an à peu près. Donc, dernièrement, j'ai quasiment clôturé la tournée par trois ou quatre pays. Donc, c'était l'Égypte au début. Donc, j'ai passé 3 semaines en Égypte. J'ai fait trois concerts et deux masterclass au centre jésuite. Et puis, les concerts, c'était à la grande salle de la bibliothèque d'Alexandrie. Ensuite, j'ai fait Paris, la Grèce, la Géorgie, et là, c'est le retour à Tunis pour quelques concerts aussi, d'autres projets. Et tu ne reviens pas les mains vides au pays, puisqu'il y a pas mal de belles surprises que tu viens présenter ce soir, entre autres. Absolument. On a d'abord l'inauguration de la Cité de la Culture, c'est pour bientôt, donc on est Oui, en plein. on espère t'y voir. Ouais, j'ai pas si près, on est en plein préparatif. Et puis, je ferai aussi quelques récitals de chants lyriques. Des Un peu par. participations peut-être avec l'orchestre symphonique ou... Il y a aussi des participations avec l'orchestre symphonique. Et puis, je lance un nouveau projet oriental cette fois-ci. Eh C'est ben... pour l'été. Ça va commencer en principe pendant le mois de Ramadan. Et. Ce sera avec qui ce projet? Ce sera mon projet. J'aurai avec moi deux musiciens. Donc, bon, Tu préfères garder les noms jusque-là? Exactement. D'accord. On fait un peu les Et cachotiers. puis, et puis, la mise en scène et la prod, il y a aussi un très grand nom derrière. Donc, le moment venu, Faudra que tu reviennes. En gros, faudra que tu reviennes, tout Simplement, simplement. ça fera plaisir sans doute. Et voilà, et puis. Le fameux album, on va pas l'oublier Il quand y a, même. il y a, bon, je continue à enregistrer les titres de l'album. Là, je suis à peu près 30% de l'album. C'est une prod, bien sûr, américo-espagnole. Et en même temps, il y a aussi les projets de théâtre, du cinéma. Donc, on attend la sortie du nouveau film de Sifard El Jazeera, pour bientôt, de la guerre. Tu joues un rôle Ouais, dedans? ouais, un rôle. Pratiquement un rôle principal, Ouais. pratiquement. Ce sera ta première fois au ciné. Non, c'est ma deuxième fois, c'est mon deuxième long métrage. Moi, j'ai fait D'accord. un court métrage auparavant. J'ai fait le premier long métrage aussi avec Sifard, c'était le Khrossouf, Eclipse. Et là, c'est le deuxième long métrage. Et probablement, je prépare un troisième. Eh ben, on est content pour toi. Merci. Tu chantes pas, t'as des journées bien remplies entre le théâtre, le chant lyrique, l'album. Ouais, Tu ça boule. t'occupes, tu t'occupes. Ouais, absolument. Sinon, tu nous as promis un petit morceau histoire de donner un avant-goût à nos auditeurs et nos auditrices de ce que tu joues, de ce que tu crées, de ce que tu prépares. Avec plaisir. Tu vas nous jouer un Un petit petit medley? mélange, disons. Un petit mélange. Tuniso-espagnol. Exactement. Eh ben, place à la musique. Thank you.
sage Becfeia. La monnaie romaine. Galoli a sage Becfeia. جاوبت اللي جهل فاني خوضوا عيني شوفوا بيها في عيني تدرك الغمرة ناجيها بحبي في اسمها وما يقولوا ليها الصمرة حتى تقواها قلت لهم أحلام الطمرة تردى بالدنيا وما فيها لموني لي غاروا مني قالوا لي ايش عجبك فيها جاوبت اللي جهد وفني خوضوا عيني شوفوا بيها هي ناس اش تحبوا فني وعشقت في فني وانا اللي عشقت بتفاني طول حياتي عليها نغني ومطربنا يا كله عليها para los muchachos de la aceitunas la tarara sí la tarara no la tarara niña que la he visto yo la tarara sí la tarara no la tarara niña que la he visto yo la tarara Magnifique, mesdames et messieurs. Magnifique prestation de Haitham Mahdi. Merci. Je le rappelle, baryton tunisien. Cette fois, je me trompe pas. Très belle performance. Merci. On a eu droit à du Hedi Juin et la Talala, magnifique morceau espagnol, le tout combiné à ta sauce à toi. Ça, c'est plutôt magique avec le luth, enfant. Moi, j'ai... j'avais, disons, une légère hésitation avant de chanter ce morceau en live, parce que quand même, je me suis dit, devant un public étranger, est-ce que... Ça va passer ou pas ? Cette sauce va passer ou pas ? Est-ce que ça va plaire ou pas ? Ouais. Et là, j'ai... À Paris, j'étais... J'imagine le stress. Surpris par la réaction du public qui était... En même temps étonné, mais disons agréablement surpris, et ça m'a donné ce punch, une charge. Ah ouais, ouais. C'était magique. Sinon, histoire de rappeler à nos auditeurs, très bientôt on te verra sur scène. Oh, absolument. On n'a pas encore des dates, mais ce sera pour très très vite, j'imagine, avec l'ouverture de la Cité de la Culture. Exactement. On a des dates.
des dates prévues pour l'ouverture, et puis peut-être avant, je ferai au moins deux ou trois concerts sur Tunis et Sousse. Eh oui. Et puis voilà, ça s'enchaîne. Pour les fans, ceux qui veulent t'écouter, on peut trouver une chaîne YouTube, une chaîne SoundCloud, Haytham Hadi lui aussi. Exactement. Et j'ai le bon single Toukam Ghani sur toutes les plateformes possibles. Qu'on écoutera très très vite sur les ondes de la chaîne Inter. On l'a, mais ça on le garde pour très D'accord. très vite. Sinon, la page Facebook, Haytham Hadi. Sinon, ma page personnelle, Haytham Hadi. Et on rappellera à toutes et à tous, toutes les dates de tes concerts seront transmises aussi sur la page de Hasta la Festa Baby et de RTCI, histoire de rappeler aux auditeurs Merci. Que voilà, Haytham Hadi sera sur scène. Il faut en profiter. Vous aussi, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez en profiter ce soir en nous regardant déjà sur le live streaming de la chaîne Inter sur le www.rtci.tn. Sinon, en passant sur la page Facebook de Hasta la Festa Baby, retransmis en simultané sur celle de RTCI. Sinon. Hatem Salem insiste depuis tout à l'heure, c'est une petite dédicace qu'on voudrait faire à quelques collègues du journal français. Et ben ils voudraient bien t'écouter chanter du Pavarotti. Enfin pas du Pavarotti exactement parce que... Voilà, tu es baryton. Voilà, mais un petit morceau lyrique disons. Va pour. Vous avez fui pour toujours, je ne vois plus le ciel bleu, je n'entends plus le chant joyeux des oiseaux en emportant mon bonheur. Comme mon cœur dans tes sombres glacés, tout flétrit pour toujours. Magnifique! Haytham Hadi, mesdames et messieurs! Magnifique prestation! Merci! Franchement! Sinon, on se dit au revoir, toi et moi! Mais ce sera plutôt très bientôt! Merci pour l'invitation, c'est toujours agréable de venir. Et c'est toujours un plaisir pour nous de te recevoir, Haytham! Tout le plaisir! Les portes du studio 1 te seront à jamais ouvertes! Merci! On reviendra très bientôt parler de ton nouvel album, parler de ces fameux concerts, surtout qu'on attend et que j'attends personnellement parce que là j'ai vraiment envie de te voir sur scène, d'avoir vraiment le plein de toi, tout merci simplement! Merci beaucoup! Merci! Quant à nous, chers auditeurs et auditrices, et bien comme je vous l'ai promis, cette soirée, ça va être une soirée de folie. On va enchaîner après avoir parlé d'opéra, après d'avoir écouté du chant lyrique. On va enchaîner tout à l'heure avec du gospel, avec Exo Sedai. On terminera avec du tango tuniso-argentin, avec le projet musical nouvellement né d'Elias Blegué de Khalil Jama. Et bien restez branchés sur RTCI, la radio qui nous réunit.